Salut tout le monde, c'est Zelody, nouvelle vidéo FaceTime. Donc voilà, c'est mon visage, je tenais à vous le dire. Donc voilà quoi, j'ai été. Ouais, Simac. Ouais, donc voilà, on est avec Simac. Et en fait, je tenais à vous dire, j'avais envie de faire une FaceTime, les gars. Parce que en fait, je vais vous dire un truc, ça, en fait, c'est très important, c'est que j'étais avec Simac hier dans la rue. J'étais avec Simac hier dans la rue, là on est au terrain de basket, d'ailleurs c'est hiversier. Donc on était avec Simac hier dans la rue. Quand il y a des mecs. Non, non, sérieux. C'est grave, mec. Ouais, j'avoue. Il y avait des gars. Il y a un mec qui est arrivé, il y avait deux mecs, tu vois. Et il y a un mec qui est arrivé, et là d'un coup. Mais mec, ça fait bizarre de raconter, mais gros, j'avais envie. En même temps, je vais vous faire une FaceTime. Faut dire qu'il faut s'assumer, les gars, parce que. Il y a un mec. Salut, ça va? Il y avait un petit, les gars, donc je vais vous dire. Donc hier, il y a un mec. Oui, je m'accoupe. Hier, il y a un mec, les gars. Attends, je mets ma tête. Donc hier, il y a un mec, il arrive, tu vois. Et là, il met une main. Genre, il met une main, tu vois. Et donc là, je me retourne, je dis, mais. C'est ça. Donc là, tu vois, il y a un mec, il me dit, mais. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et il y a son pote qui est un peu derrière, tu vois, il arrive, et. Vas-y, t'es bonne. Et moi, je dis, mais mec, je suis un mec, en fait. Et il me dit, nique ta mère, viens, tu vois. Et là, il sort un couteau, tu vois. Si ma gros, il était pas bien là, tu vois. Il me dit, mec, on va mourir. J'ai prendre les devants, tout ça, mais c'était chaud en vrai. C'est ça. Il a raté son panier. Et donc, du coup, il y a Simac, tu vois, il me dit, ouais, il a essayé de prendre les devants, tu vois. Il me dit, bon, je vais essayer de les battre. Et là, le gars, il sort un couteau, tu vois. Donc là, mec, on était pas bien. Simac, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il sort la Kalachnikov. Non, ferme ta gueule. Donc là, tu vois, mec, on commence à se chier dessus. Et donc là, tu vois, il y a. Il commence à prendre le couteau comme ça, et il dit, ouf ton sac, tu vois. J'avais même pas de sac. Tu vois, j'ai pas de sac. Il me dit, ouf ton manteau. J'ouvre mon manteau. Et heureusement, il a pas pris mon téléphone. Mais il m'a tout pris. Il m'a pris ma carte bleue, mais mon argent, mon portefeuille, il m'a tout pris. Mais il m'a même pris tout. C'est un truc de ouf. Tout ce qu'il y avait dans mon sac, il me l'a pris. Voilà, voilà quoi. Et donc, du coup, donc là, tu vois, le mec il arrive, il me dit, c'est tout ce que t'as sur toi. Et donc là, tu vois, on dit, oui. Et là, il commence à fouiller Simac. Ça fouillait Simac et donc là je tu vois pas faire genre tu sais ouais il essaie de se battre il essaie de se débattre un peu et tout mais après il a sorti le deuxième couteau de il a sorti le deuxième couteau et là mec il le cale sous nos gorges il met le couteau ici là comme ça c'était chaud, c'était chaud. Regardez j'ai même la marque là je sais pas si vous arrivez à voir ici là Simac on en rigole mais mec c'était en fait on rigole à cause de la folie mais les gars c'est choquant. Ouais. Et genre... à la fin, on fera une petite annonce parce que regardez, je peux prendre l'appareil. Ouais, vas-y, regarde. Vous avez vu ma petite main dégueulasse, mais n'hésitez pas vraiment dans la boutique. Code créateur de Rito, très important. On rigole les couilles, mec. Donc, du coup, voilà. Je disais, donc là, le gars, tu vois, il commence à me foutre le couteau sous nos gorges et là, il dit, bah les gars, vous avez rien du tout sur vous, bah on va vous buter, tu vois. Il nous menace de mort, le mec. Et là, je dis, mais non, arrêtez. Tu vois, on commence à chialer comme des ouf, tu vois. Parce que les gars, faut pas perdre ses couilles. Faut pas perdre ses couilles, les gars. Ils commencent, genre, vraiment, genre, ça commence à mal aller. On chiale, on a peur. Mais je vous dis, en fait, quand on est dans cette situation, les gars, notre cœur en fait. Il bat plus vite qu'un léopard sous coke, frérot. J'avoue. Et on dit, bah, ça y est, c'est la fin, quoi. Et le mec, il m'a menacé de mort. Et je dis, non, tu fais pas ça, en fait. S'il vous plaît, arrêtez, on a rien fait. Et là, en vrai, après, ce qui nous a sauvés, c'est parce qu'ils ont vu une bagnole de flics, ils sont partis en c'est courant. C'est ça, il y avait la bagnole de flics qui arrivait, c'est passé en courant. Et ils m'ont dit, bah les gars, on arrive demain, rendez-vous ici à 18h, tu vois. Et donc là, à 18h. En fait, on va y aller, mais on va voir ce qui va se passer. Donc, en fait, il y aura un live sur la chaîne à 18h. Surtout, c'était vraiment devant chez moi, quoi. Ouais. Et donc, du coup, bah rendez-vous ici, demain 18h, si t'es pas là, je te retrouve, je te bute. Ouais, donc ce soir on va y aller à 18h, mais on a quand même prévenu la police et tout ça. C'est ça, on est allé au commissariat, donc ils nous ont dit ça, ils nous ont dit vous y allez et nous on sera camouflés derrière, on sera. Genre ils vont envoyer un espion en mode un policier déguisé en civil. Et donc du coup il va intervenir directement après. Donc du coup là il va 18h les gars pour tout vous montrer. Et ça on a voulu faire une facecam, c'était pour vous dire les mecs. Pour vous dire comment en vrai on est prêt à tout faire pour dénoncer ces agressions. Et si on fait une facecam les gars. C'est que surtout, si vous nous reconnaissez, vous prenez une photo avec nous dans la rue. Mais surtout, voilà. Les gars. Attends, mémorisez ma gueule. Voilà. Mais surtout, les gars, on fait une facecam parce que et c'est hyper important parce que, comment dire, les mecs, c'est tellement choquant, tu vois, qu'on a envie de se montrer et de dire, bah c'est nous quoi, c'est pas du mytho, tu vois, et que voilà, et donc voilà. Voilà, bon, c'était tout. C'était Zolodid, les gars, c'était Zolodid, c'était Simac. N'hésitez pas à aller vous abonner. Ouais. Donc.
Mais en fait, c'est la folie, les gars. C'est la folie. Il y a tellement de folie, ça nous fait rire. Moi, j'ai un peu honte de montrer la gueule parce qu'en vrai, ça se fait. Ouais, surtout, regarde ma vieille coupe de cheveux dégueulasse. Je rigole, mais en vrai, c'est ultra choquant ce qui s'est passé hier avec nous. Avec la folie, surtout avec la folie. Donc, sinon, les mecs, pour en revenir à plus sérieusement, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager pour que tout le monde puisse voir ça. Il faut pas que ça se reproduise, d'accord? Parce qu'il n'y a pas TK qui peut être victime de ça, ok? Et si. Il y a nous aussi, même les petits youtubeurs, vous voyez. Ça se trouve, ils nous ont reconnus, on sait pas comment, et puis ils nous ont niqué. Voilà. Et surtout les gars, si vous connaissez des gens à qui ça arrive ou si ça vous arrive à vous, faut en parler les mecs, D'ailleurs, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires si vous savez pas quoi, comment faire ou si vous hésitez à aller voir à la police. Oui, il y a la police, il y a vos parents, il y a des numéros comme ça, peut-être des amis, des proches. Là, il y a Draito qui va venir avec nous. Et il y a même Astro, ouais, c'est ça. J'ai dû avec son pseudo. Et Astro qui va venir nous rejoindre, les gars. Donc voilà. Donc les gars, abonnez-vous, tout ça. Et si ça vous arrive vraiment, parlez-en. Partagez, likez, très important. Parlez-en même pour le harcèlement, vous en parlez, les gars. Pour c'est le hyper développement important de la chaîne. Parce qu'il y a des gens, ça les traumatise, ça les pousse au suicide, quoi. C'est ouf. Genre pour un petit truc, juste parce qu'ils ont un petit défaut. Et encore, c'est même pas un défaut. Genre par exemple, si t'en sors pas, c'est pas un défaut. Tant que tu t'assumes, c'est le plus important. Faut être bien dans sa peau, tu vois. Et c'est pour ça qu'on fait une facecam. Voilà. Je suis totalement d'accord avec. Allez les gars, bye, abonnez-vous, likez tout ça. Et rendez-vous ce soir à 18h pour le live. Allez, peace. Bye.